Je m'appelle Didier Lemarchand, j'ai 48 ans, je suis restaurateur et installé à Nantes depuis 3 ans. Donc dans ce restaurant dans lequel nous sommes, qui s'appelle le Tavola. La Tavola, oui, qui veut dire la table en italien. Donc mon objectif, c'était de mettre en avant une cuisine italienne qui souvent passe à la trappe, puisque c'est pasta, pizza tout le temps. Donc moi, je travaille une cuisine traditionnelle, régionale, et depuis maintenant un peu plus d'un an, des légumes bio de chez Sébastien. Et pourquoi ce choix? La qualité du produit, c'est travailler une tomate ou une aubergine bio, ça n'a rien à voir. Gustativement parlant, esthétiquement parlant aussi, c'est autre chose. Ça demande un gros travail de recherche et de créativité, puisque en parlant de la cuisine italienne, pour beaucoup, c'est la tomate, la courgette, l'aubergine, le poivron. Alors en été, c'est super, quoi. On a tout ça à portée de main. Par contre, en hiver, c'est autre chose. Donc ça nous demande de faire recherche et de créer des plats qui soient cohérents dans la démarche italienne et faire une carte attractive. Donc ça demande un énorme travail. Ouais. Ce choix-là, il est enrichissant d'un point de vue professionnel, mais personnel. Énormément, oui. J'ai vraiment l'impression d'arrêter de marcher sur la tête. Je fais mon travail de restaurateur, de cuisinier, d'hôte, et c'est vraiment très enrichissant. Ouais. Vraiment, c'est incroyable d'avoir des clients qui vous disent merci en partant. Je n'ai jamais autant serré de main que depuis que je suis ici et depuis que je fais cette démarche de bio et de faire une carte attractive. C'est vraiment plaisant. Ouais.